Zami mwen yo, frèm ak sèm yo, se zami nou, Félicien Jean-Willy, ki yon lot fwa prezante nou se fraternel salutasyon. Jodi a, nan suje nou, ver an revey romantik dan la relasyon amoureuse, nou pral detaye pou ou men le diferant manifestasyon de se revey romantik. Nan pwemye seans lan, apre nou te fin tante defini le romantisme dan la relasyon amoureuse, yon nan objektif nou te tante kouvri, se ba ou un tre juste konsepsyon de l'amour. An pil fwa, men moun ki lan relasyon amoureuse, yon pa gon tre bon konsepsyon de l'amour. An pil fwa, pou yo men, l'amour son echange. Se ban ma ba ou, se dwa yo yap reklame, men jamè yo pa kon devwa yo. An pil relasyon d'amour krasé, paske de partenèr yo toujou ap tann, ki eske ap fè le premier pa? Ki eske ap vin di je tèm avan? Ki eske ap akompli yon bon aksyon avan? Ki eske ap manifeste afeksyon, tendres pou lòt la avan? Bref, ki eske ap manifeste le premier komportman sedikteur? An pil relasyon d'amour malade e malade grav, paske moun ki di yon remen lòt la, yo tro egoïs, se pou entere pa yo, se satisfaksyon pa yo selman e avan tou yap chache nan relasyon amoureuse la. An pil nan nou, le nap rentre nan relasyon amoureuse, nou toujou pose tèt nou kesyon, ki sa nap jwenn nan men partenèr la? Ki sa nou kapab benefisye? Ki sa partenèr ap ba nou? Men pa jèm pose tèt nou kesyon, ki sa nan pote nan relasyon amoureuse la? Ki sa nou genye pou nou ofri partenèr la? Lan ki dimensyon nap kontribye a bonèr pou prop tèt nou, pou partenèr la e pou relasyon. Dezyem objektif nou te tante kouvri nan premye seans lan, se konvenk ou ke ou gon potansyel romantik la kay ou men. E se bon Diyo li men menm ki depose potansyel sa la kay ou men e ki mande pou utilize li, pou investi li dan le bonheur de votre relasyon amoureuse. Sa vle di, ou bezwen pren konsyans ke ou menm tou ou kapab sedwi toujou partenèr ou kapab gen komportman sedikteur anver partenèr ou kapab atire atansyon li e eksperimante un nouvo depar dan votre relasyon amoureuse. Kon ya, pi gwo gran kesyon ap pose ou, esko kwen nan tèt ou ko gen potansyèl an ajoute par la gras de Diyo pou kapab sedwi partenèr la? Avez-vous la volonté de plaire à votre partenaire? Avez-vous le désir de captiver votre partenaire? Est-ce qu'on sentit ou assez galant ou bien galante à travers gestes ou paroles ou comportements? Tendez bien, m'pa mando pour le faire, m'as-tu vu ou bien m'as-tu entendu? Mais moi mando pour développer une attitude romantique et séduisante envers votre âme sœur. Moun wap partaje officiellement intimité ou ensemble avec la. M'pa mande ou pour rele le chéri, bal kado, fèl gros promesse, l'orgon désir sexuel ou vle satisfait. Non, non. Un vrai amoureux n'est pas un flatteur. C'est pour sa wap di yo et sa wap fè yo soti nan cœur. Bon, kon ya, mette cœur, mette cerveau nan relation. Mette cœur pou ka gen plus chaleur, plus émotion, plus tendresse, plus affection, plus tout ou même. Et ensuite, mettez cerveau. Ça veut dire mettez intelligence. Et dans intelligence, ou pral chercher dresser un profil affectif de votre partenaire. Qui sort qu'on est? Qui ka fait partenaire la plaisir? Qui sort qu'on est? Qui ka attirer attention li? Qui ka mette nan li même l'envie de vivre à deux avec si jamais li te perdu un jour? Je ne vous demande pas de revivre vos premiers jours de relation amoureuse, parce que l'amour va de découverte en découverte. Après X temps de relation amoureuse, il est possible encore pour une sortie en routine, lever le matin, aller au travail, rentrer, occuper des petits monde, faire manger, à l'église. Non, non. Vive cette relation amoureuse parce que Dieu le veut. Il est de la volonté de Dieu que vous plaire ou séduit votre partenaire au quotidien. C'est pour sous l'amour pour partenaire là capable couler.
c'est pour volcan l'amour qui nan ou même pour partenaire là capable jaillir. Tendez bien, m'pa mando pour oublier réalité a. C'est vrai, relation tan pile petit problème là-dedans, en pile obstacle, en pile défaut, en pile conflit, mais pas oublier n'a parlé de relation amoureuse. C'est la Bible, la parole de Dieu qui dit, Cantique des Cantiques, le chapitre 8, verset 6, l'amour est fort comme la mort. Pas de barricade pour l'amour, depuis ou vlel, depuis ou remet tout bon vrai, pas de rien capable de bloquer. Et si vous jouez cette réciprocité chez votre partenaire, gloire à Dieu. Qu'on y a, mettez bon gens créativité dans vous-même. Témoignez constamment vos paroles et vos gestes affectifs envers votre partenaire. Si possible, de temps en temps, avec un cœur vrai, multipliez vos « je t'aime » à son endroit. Félicitez-le régulièrement. Écrivez quelques petits billets doux, quelques messages très affectueux. T'en prie, c'est pour plus tendre, plus affectif ou affective dans vos relations sexuelles. Encouragez-le. Valorisez-le, faites quelques petites sorties romantiques avec elle. Bon, si pas quelque côté pour aller, ou mettre prendre main li sorti dans la cour ensemble avec elle. Parlez petites paroles douces dans les oreilles. Évitez toute qualité vie critique qui veut détruire relation. Bay plus attention à sa partenaire la renmen. Portez plus attention lorsque partenaire la besoin affection ou bien à bord affection. Mettez plus créativité dans la relation. Dégagez-nous pour diminuer le nombre de conflits et résoudre sa guerre. Si vous avez fait du tort à l'autre, demandez pardon. Parce que pour l'amour capable de venir plus fort entre nous, il faut être capable de guérir les blessures émotionnelles. Bon, tout rappeler, blessures émotionnelles, c'est une parmi les plus grands obstacles dans l'épanouissement d'une vie amoureuse. Ça veut dire, yon moun qui gon cicatrice ou bien blessure sur le plan émotionnel dans relation amoureuse qui poko guéri, eh ben, li pas capable de développer le romantisme dans son vrai sens dans la relation amoureuse. Les blessures émotionnelles sont des expériences douloureuses qui t'ont influencé vie nous et jusqu'à présent, cicatrice yon encore été visible dans action nous et dans réaction nous par rapport avec moun qui dans environnement. Si c'est partenaire même qui à la base de blessure émotionnelle ça et jusqu'à présent li pas participé dans processus de guérison, situation vin pi grave. Et spécialistes qui travaillent dans domaine comportement moun, yo au moins identifié 5 blessures émotionnelles. Et blessure ça yo li possible depuis les ou fait ou commencer victime de yo même. C'est ça relé le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice.